Madame, messieurs, bonsoir. Mercredi et dès ça, nous avons ensemble un titre qui peut faire l'actualité. Face à la presse, nous avons dit tantôt au Premier ministre Fin cause l'Oban élection villageoise. Pravin Jognet Fin cause une grande victoire. 6 des 7 conseils finaliers ban dirigeants qui prosent avec gouvernement. Message déclaré selon chef gouvernement ban village Fin choisit la voie développement et progrès. Élection président et vice-président dans 7 conseils district pays à suivre ban reportage dans sa journal. Ban module assessment pour grade 6 fin commencé ce mercredi dès décembre avec ban épreuve science des mains pour un papier histoire géographie. Deo vaccin Pfizer BioNTech pour disponible à partir la semaine prochaine dans Royaume-Uni, société pharmaceutique la fin gagne l'autorisation ban l'autorité britannique. Mais si vous pouvez suivre nous on a le Premier ministre Fin commente élection ban président et que vice-président ban conseil district pendant une conférence de presse dans bâtiment SunTrust dans pour lui a dit tantôt Pravin Kumarajagnat Fin félicite ban Eli et que Fin cause de une grande victoire 6 des 7 conseils finali ban dirigeant qui prosse avec gouvernement message clair selon chef gouvernement ban village Fin choisit la voie développement et que progrès l'électorat 130 villages. Selon Pravin Jugnauth, Fin Reset ban mensonges et que division ban poti l'opposition. Premier ministre dit que malgré situation économique difficile, la cause COVID-19 progrès pour continuer dans quatre coins pays et que Premier ministre peut sollicite l'engagement et que soutien ban l'équipe ban conseil district pour continuer dans sa même direction là. À nous écouter, déclaration Premier ministre. Nos 7 conseils de district, 6 finélire, ban sympathisants qui proche avec le gouvernement. Ça qui appelle batte bœuf. Dans sa 6 district council, il y en a 5 là-dedans, c'est-à-dire Moka, Pamplemousse, Flac, Savane et Rivière-Noire, ban conseiller fin vote à l'unanimité pour ban président et vice-président. À Rivière-du-Rempart, qui n'est pas un vote, qui ne besoin prend, et ben, élu, fin gagne une victoire confortable de 16 contre 6. Dans le conseil district de Grand-Pau, l'élection est bien serrée, fin une élection de 16 contre 12. Allô, dans l'ensemble, l'éclair qui ban village, vous êtes fin choisir pour moi avec le progrès et le développement. Et les bon, me faire rappel aussi que le lendemain des élections villageoises, qui a été causé, tu peux causer. L'alliance travailliste, MMM, PMSD, Reform Party, t'in marié piqué et t'in dire que t'in gagne élection haut la main. Et tu peux dire que ben parti qui au gouvernement fin gagne un raclé et que l'opposition fin raflé la majorité de ban village. Et les bons mots dire aussi, hein, autres contradictions d'ailleurs. Le leader du Parti travailliste et que Arvin Boulel, et Paul Béranzé, et Duval, avant l'élection, qui se peut dire? Je peux dire, je ne peux pas participer à cette élection-là.
Je n'ai pas soutenir personne. Mais dans la réalité, nous connaissons. Qui manière, je suis partout. Je peux faire campagne. Et le lendemain élection, je dis à vous qui est une vague rouge fin défaire l'Oban village. Angoulam dit, gouvernement gagne un bon raclé, un raz-de-marée contre le gouvernement. Paul Béranzé, il dit, gouvernement gagne vraiment un soc, un grand batté. Et Ovin Boulel, il dit qu'il gagne un klaxonneau qui, moi et que mon gouvernement, il gagne. Nous, nous pas de faire tapas, nous. Lors de ma élection, nous pas d'aller faire taper l'estomac, faire tout cas des déclarations. Mais quand nous guettons la réalité, Zodi, ça l'Alliance Travailliste, MMM, PMSD, Reform Party, c'est eux qui ont gagné un bateau. Avec toutes les campagnes de mensonges, de fausseté. Avec tout ce bon attaque personnelle qu'ils ont fait. Et continuer, c'est embête du monde. Tout ça là n'a pas fini de marcher. Et là, moi, je veux saluer la maturité de mon électeur qui finit de faire ce choix. Mon villageois finit de résoudre le mensonge, la haine. Et la division de l'opposition. Donc, encore une fois, je tenais à féliciter le président, le vice-président qui fut élu. Je souhaite un très bon mandat. Je tenais bien sûr une grande responsabilité. Un nouveau l'équipe Poistela au équipe conseil district Moka soudit Sunaran nouveau président et que Vagesh Ramdeni Poakoteli en tant que vice-président Zutfineli à l'unanimité pour ban conseiller en présence Premier ministre Pravin Jugnauth, vice-premier ministre Lila Devi Dukon Lochman et ministre Yogida Sominaden azondi gramatin dans district council Moka chef gouvernement fin réité à volonté gouvernement pour collaborer avec ban nouveau éli pour l'avancement ban prosé dans ban différents villages à nous guetter Pota Soumira Parali. District Moka, qui regroupe 16 villages et plus de 57 000 habitants, et a un nouveau président conseil après un vote qui finit faire à l'unanimité aujourd'hui. Aïzafo déclaré électeur, Mr. Sunaran Tsudia Chandra, Mahes Kumra Tchèpasa. Tsudia Sunaran fin élu avec 1074 votes pour troisième fois dans Village Providence pendant élection villageoise. C'est ce deuxième mandat en tant que président dans conseil district Moka. D'abord, je voudrais remercier mon 24 conseiller qui nous fait ma confiance aujourd'hui. Mais là où le premier ministre et les deux ministres, ils ont fait une grande confiance au moi. Et voilà, je vais retourner encore une fois pour servir le district council de Moka et Mokula. Pour être assuré qu'il me voit la hauteur, qu'il confiance qu'il finit placer dans moi. Bientôt, le grand style de Moka, tout village qui est dans cette juridiction, pour transformer. Un entrepreneur qui est dans 23 ans, Vagesh Ramdeni, vice-président conseil district Moka, les plus zen élu dans l'avenir avec 811 voix. Moi, j'invite tout le monde jeune, au contraire, dans le numéro 8, dans Moka, pour venir, pour collaborer, venir joindre moi. L'envie de travail, l'envie de refaire la jeunesse, de redémarrer. Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth est que dès les autres élus sa circonscription là, tu présent pendant sa cérémonie là, aujourd'hui grand matin. C'est le gouvernement dire qu'il est content pour travailler avec ma nouveau et ancienne équipe qui finit élu. Priorité, c'est amener progrès dans ban village. Remercie encore une fois pour nous aider chambre village. Beaucoup de choses que beaucoup de choses là. Short notice. Pas démocrate. Non. Qui vient encore? Short notice. Quelle short notice? C'est un bel engouement dans l'élection. Un grand engouement. Pour vous avant tout, à nous refaire nos villages, nous distribuons ensemble avec le PM. Tout d'abord, laisse-moi féliciter tous les conseillers
qui fin élu pour représenter notre village et pour aussi représenter notre village au niveau du conseil de district. Et je félicite aussi les deux élus, le vice-président et le président, pour cette élection aujourd'hui. Je suis bien content que nous ayons l'équipe qui peut continuer à collaborer avec le gouvernement et surtout avec nous, trois députés, nous représentants de la circonscription. Pénazis, bien sûr, à la circonscription numéro 8. Il y a aussi les autres villages. L'objectif, c'est amener développement, amener progrès dans chaque village qui tombe sous responsabilité District Council. D'ailleurs, si vous nous trouvez combien de projets qui nous font réaliser ensemble, pour nous, comme un gouvernement, c'est améliorer la qualité de la vie de tous les villageois qui tombent sous le District Council. Après ça, l'étape là, un comité pour constituer pour prochain des ans. Dans Pamplemousse, c'est Kalicharan Somaru qui a été pour diriger le conseil district. L'ipougain soutient Komrasami Kanarapen, finina ban élection dans complexe polyvalent plein des papayes. Cette priorité, un service voirie de qualité, éclairage, asphaltage, ban semeik aussi aménagement, ban l'espace loisir expo. Dani Laïti. Dans complexe polyvalent plein des papayes ce mercredi là, Sunil Pergus fin passe le flambeau à Kalicharan Somaru, entrepreneur de 56 ans qui seul candidat à présidence conseil district Pamplemousse. Élu de sa village Terunzla, il a 25 ans d'engagement dans social. On est très unis et avec autant d'années d'attente, nous recevons le président du conseil district de Pamplemousse avec la collaboration et tout ban camarades conseillers district et on est capable de dire que le gouvernement central aide moi bien là-dedans. Les trois services principaux, c'est le service de voirie, le street lanterns et asphaltage des routes. Élection ban nouveau dirigeant district Pamplemousse fin suivi de près par ban ministre Jolé Jangor et Xoudesh Kalichen et plusieurs des autres membres gouvernement. Vice-président fin lui aussi élu à l'unanimité. Komrasami Kanarapen, 59 ans, li office attendant et clivine de Léoché. Li fin succède à Outhem Kalichen. Premier ministre, tout ban camarade ministre président aujourd'hui ban député, qui place de confiance en moi. Et nous pour à la hauteur, là nous avons une priorité, on va nous dire asphaltage des routes, ban complexe sportif ou ban zen, pour contre la drogue. District Pamplemousse, Liena, 18 villages. Depuis Pointe-au-Piment et Triolé, en passant par Terrouze et Baie-du-Tambo, jusqu'à Notre-Dame et Crève-Cœur. Un reportage avec ban commenté Madvi Jagonat. Premboudas Elaya et Koubarawa Deukoumo fineli comme président et vice-président conseil district Rivière du Rempart. Plusieurs personnalités étaient présents pour sa cérémonie là. Ouvachibikaribunche. Élection pour président et vice-président du conseil de district de Rivière-du-Rempart, fin Ena Gramate dans Mapou. En présence de ban ministre Avinash Tilak, Kalpana Kunjusha et Manish Gobin. 22 conseillers fin votés. I therefore declare elected Mr. Elaya Premboudas, chairperson of the district council. Premboudas Elaya fin élu président et Koubarawa Deukoumo vice-président. Tous les deux à ce quatrième mandat. Chaque ministère a un projet qui si, dit à nous qui projet nous allons faire en 2021. Mais nous avons ça, une valeur de 90 millions. Et le ministère finit pour tout tout. Et multi-proposition complexe, ça c'est une approuvée. Vous pensez l'année prochaine, nous pouvons lancer un tender. Et ça nous dit grâce au gouvernement, parce que sans ressources, vous ne pouvez pas faire projet. On finit sur tout un travail qui est là, et le travail continue. Et ben, nous avons dit qu'il a nous éduqué encore. Qui 80% qui nous rentrent, c'est un nouveau qui nous rentrent et nous avons un petit peu expérimenté dans 10-3, mais nous collaborons ensemble pour faire le développement de tout village. Conseil district de Rivière-du-Rempart finit officiellement mis sur pied 1er janvier 2013. L'année 2021 pour une année bien importante en termes de projet de développement comme à la construction d'un nouveau bazar dans la région de Woodlands. Et que conseil district FLAC finit à ce nouveau président et que ce vice-président Azodi Gramater, Avidjagou, finit élu à l'unanimité pour ban représentant, sous adjoint c'est Chandradeo Ramroup, ban nouveau élu, péprone continuité et persévérance pour progrès ban village dans l'Est pays, à Sitarogou.
26 représentants de 23 villages de Flak finent élire Banseki pour faire partie du conseil de district à partir d'aujourd'hui. Ravi Djagou, habitant de Belmore, finit choisir à l'unanimité pour occuper poste président. Chandradev Ramroup, un habitant de Camp de Masque, pour assister lui en tant que vice-président. Parmi les autres priorités, sport pour Banzenes et l'amélioration de la vie des Ban villageois. Malgré le contexte difficile en ce moment, nous pouvons mettre les priorités que nous sommes capables, nous pouvons consulter tous nos bandes councilleuses et aussi nos bandes députés, nous pouvons assister sur la table, nous guetter qui pose nous voir de l'avant. Pour Blanc, il se pose beaucoup dans nous, tous les 23 villages de la circonscription du Mont 9 et les 10. Nous pouvons travailler en lit avec la philosophie du gouvernement et avec collaboration de tous nos bandes députés des circonscriptions numéro 10 et 9 et nos plusieurs bandes projets qui sont déjà. Et il finit commencer. Et en 6 décembre, nous pouvons follow ce projet-là et nous pouvons travailler. Présents à l'occasion, trois membres de l'Assemblée nationale et ban élus des circonscriptions 9 et 10 finent réitérer leur soutien à ban nouveau élu-là. En tant qu'ancien président du conseil district de Flak, mon gars, tout village pareil, m'espérer que mon camarade prône la même philosophie, le même principe. Qu'il y ait tout village pareil et que le développement fait de tout coin même village. Nous, deux camarades qui ont une appartenance avec le gouvernement, qui font élu, alors ça a montré la réalité dans le village, c'est tout mauvais cause dans ces conceptions numéro 9 et numéro 10. On rassure tout le villageois que le bon travail qu'il peut faire pour le gouvernement central, il peut aussi entreprendre par le district council de Flak. C'est là-bas les autres jeunes aspirants, mais c'est moi, je suis très jeune, nous dire l'avenir appartient à eux. Prends un petit peu de patience. Certaines bandes journal qui peuvent dire que le MSM a une raclée, voilà, nous faisons montrer qu'ils ont dit que le MSM peut rafler pour tout le district council. À noter qu'il dans le conseil district de Flak, il y a une seule madame. Il y appelle tout fait Bibi Mariam, représentante de village Brisé-Verdier. District Rivière-Noire peut accueillir Ludovic Labeauté comme ce nouveau président, l'Ipoena comme adjoint Brahmanan Bogman. Donc, ban élection qui finit à Zoudi Gramatin. Conseil district Grand Pau aussi, Fingay est nouveau président et que vice-président Rajiv Kumar Djangi et que Rupesh Osenia Fineli Azodi Gramatin finit dans l'exercice vote en présence Baneli, la région dans siège conseil Rosebel. Nouveau président, c'est un entrepreneur qui est un habitant 4CR. CV disait qui finit une rencontre spéciale pour élection président et vice-président conseil district Savane. Une rencontre qui finit dans Souillac, Narensa Missi Nivasen, finvin nouveau président conseil district. Allo qui Kousraj, cela finvin ce vice-président. Dans ban les autres nouvelles ban module assessment pour grade 6 fin commencer ce mercredi dès décembre là avec ban épreuve science et demain pour une papier histoire géographie 14 269 candidats dans Maurice Rodriguez Kagaliga puis prend part de ban l'examen qui pour une à travers 306 centres l'examen pour une ban l'examen pour ban les autres matières les 16 jusqu'à 19 mars 2021 selon directrice MES Brenda Tanakodi Seboron pour bien respecter tout ban normes sanitaires finalement ban changement dans syllabus après qui fin revoit calendrier scolaire la cause période confinement à noter qui pour annonce ban résultat ban l'examen PESAC grade 6 vers 30 avril 2021. Nouvelle DO Astella, vaccin Pfizer-BioNTech pour disponible à partir de la semaine prochaine au Royaume-Uni. Ban société pharmaceutique la Fingay. L'autorisation ban l'autorité britannique parmi ban personnes prioritaires pour gagner vaccin et ban résidents, ban maison de retraite, personnel soignant et que ban personnes âgées. À nous guettons ensemble, nouvel étang à Stella avec situation générale. Bagnaz associé avec un lien instabilité depuis nord-est peut influencer l'étang local. Les prévisions pour prochain 24 heures. À soir, pour un bon étang.
Température minimale pour 18 et 21 degrés l'Oban ETA et compte 22 et 25 degrés l'Oban région côtière. Des maigres matins pour une jolie les temps pendant la journée. Les temps pour couvert, capavina, la pli, certaines places. Température maximale pour 25 et 28 degrés l'Oban ETA et compte 30 et 33 degrés l'eau littorale. Divan pour souffler depuis est nord-est à environ 15 km/h. La mer pour hésiter en dehors récif avec ban vague 1,50 m. Soleil pour lever des mains 5 21 pour les quitte nous. Tantôt 18h38. Et ça, on a la fin ici, madame, monsieur. Merci au fin. Suivez-les. Bonne soirée. L'Oban Saint-Embécy.